دائما في إطار الاستقبالات التي وكبت القافلة الوطنية للجامعة الوطنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة للنقل الطرقي بالمغرب لجهة فاس مكناس برئاسة السيد إسماعيل الهلالي، وهذه المرة في مدينة العيون ومن طرف السيد قنصل جمهورية جزر القمر بالمغرب، حيث أعرب عن إعجابه بهذه المبادرة التضامنية التي تعبر عن القيم الوطنية والتشبث بقضايا المغرب الشرعية، مؤكدا بدوره على أحقية المغرب في حماية أراضيه وعلى مغربية الصحراء. Les pays asiatiques, les pays du Golfe, quand on voit les pays africains, quand on voit maintenant les États-Unis, oui. C'est pour dire que c'était un bon augure. Ils ont amené le barque pour l'ouverture, lors de l'ouverture de ce consulat. On l'a ouvert au bon moment et Dieu nous a exaucé nos prières. Inch'Allah, il va continuer. Mais tout d'abord, je dois remercier Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Pour sa clairvoyance, pour sa vision éclairée, justement, de cette vision d'un leadership africain et arabe, pour pouvoir amener ce combat avec ses aïeux, bien sûr, parce que ça, le combat a commencé depuis Mohamed V, jusqu'à Hassan II, jusqu'à aujourd'hui. Et il n'a pas déçu. Il continue sur cette lignée de dire que le Sahara est marocain. Peut-être vous m'avez entendu en train d'expliquer un peu aux affaires étrangères comoriens que les tribus du Sahara prêtent allégeance au roi marocain. Donc c'est un rappel historique que je suis en train de faire à ceux qui sont aux Comores. Et il y a eu l'avènement de Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste, avec son frère et ami Azali, son Excellence Azali Assoumani, président de la République de l'Union des Comores. Qui est venu, et bien, ils ont encore fortifié ces relations, cette amitié, cette fraternité qu'ils ont hérité de leurs aïeux. Donc c'est pour vous dire quoi? Que ce geste aujourd'hui, quand les Comores a décidé, comme le premier pays africain et arabe, à mettre un consulat au sud du Sahara, c'est une continuité de l'histoire. Oui. On ne pourrait pas ne pas faire comme ça. C'est qu'aujourd'hui, et là, aujourd'hui, on est d'autant plus fiers que les Comores participent à l'histoire, à l'intégrité de l'autorité du monde. Donc, c'est ce que j'avais dit aux parlementaires qui étaient ici dernièrement, que pour nous, c'est une relation normale, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est éternel. Que nous devrons perpétuer, effectivement. Et nos enfants doivent continuer, justement, dans ce. واستهل السيد إسماعيل الهلالي كلمته بشكر السلطات العمومية لمدينة العيون على حسن الاستقبال وعلى كافة التسهيلات التي قدموها للقافلة، وشكر السيد قنصل جمهورية جزر القمر على حفاوة الاستقبال وعلى المبادرة، وكذلك شكر الدبلوماسية المغربية بقيادة محمد السادس على إعلان الولايات المتحدة الأمريكية بمغربية الصحراء وكذلك فتح قنصلية لها بمدينة الداخلة. هذا وللإشارة، تعتبر جمهورية جزر القمر أول بلد عربي يفتح قنصلية بمدينة العيون.